On a perdu déjà 10 balles, mais 5, c'est pas provoqué, c'est nous qui leur donnons la balle, parce qu'on invente. On n'a plus qu'à marquer le panier, on va faire une passe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire suffisance. Ça veut dire qu'on pense que, non, je prends pas le lay-up, parce que, bon, ils sont faibles, donc on va trouver une solution qui va être équivalente après. Messieurs, du sérieux. Les valeurs de cette équipe-là, il y a le sérieux dedans. Si on veut obtenir quelque chose, sérieux, investissement, collectif, fierté. Parce que là, ce qu'on montre là, il n'y en a pas de fierté. C'est pas, ça ne changera pas la Coupe du Monde qu'on perd contre les Philippines. Mais ça changera ce qu'on est. On est aujourd'hui dans une situation où on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'on soit prêt à travailler toute la mi-temps pour espérer passer devant. Peut-être pas, peut-être qu'on le fera de cette façon-là beaucoup plus vite. Mais si c'est le cas, il faut être prêt à s'investir. Et là, ça sera un match qui portera sur nous. Le grand rouge, pause. C'était pas beau, mais au moins on revient, on gagne derrière, ok? Il y a pas mal de trucs à bosser encore, allez. Le blanc rouge, France. C'est pas Admiralty? Je crois que c'est de l'Admiralty, ça. C'est quoi, Doc? Symphonie numéro 24. De aussi du Mozart, ça. En si bémol de Wolfgang Amadeus Mozart. Je savais. J'étais pas loin, hein. Non, oui, c'est bien. Admiralty, Mozart. Je suis pas loin, hein. Tu connais Admiralty, toi? Tu vois, tu connais personne, mais tu connais rien à la musique classique. Non, le match, c'était... On peut dire que c'était une reprise après les trois matchs à Pau et... J'espère que ça va nous servir de leçon. Bah, je pense qu'on s'adapte à l'équipe, alors que ça aurait dû être le contraire, laisser les équipes s'adapter à nous et nous dérouler notre basket à nous, quoi. C'est clair qu'il faut se dire les choses pour que quand le jour J arrive, qu'on ne soit pas surpris. Tu vas commencer ce soir, mais il faut que tu sois très concentré. C'est pas la première fois que tu n'es pas concentré ou pas assez. Simplement, jusqu'alors, je n'avais jamais sanctionné. Je te laissais rejouer parce que tu en as besoin et puis on va avoir besoin de toi. Mais il faut que tu comprennes. Toi, dans cette équipe-là, tu n'es pas obligé d'être bon tout de suite. Mais par contre, il faut que tu sois utile tout de suite. Donc ce soir, d'entrée de jeu. Ok? Allez. Les matchs de Coupe du Monde, quand on aura une équipe qui fonctionnera, ben on la fera jouer davantage. Là, pour l'instant, c'est de la prépa, donc on est attentif à ça. Mais par contre, en contrepartie, il faut qu'on ait un investissement de course qui soit supérieur. Là, on a regardé ce matin Ukraine-Australie.
Et c'est frappant. Par rapport à nous, la façon dont ils démarrent en contre-attaque, nous, on monte la balle en trottinant, hein, presque tout le temps. Hein. Donc il faut qu'on arrive à courir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Bleu, blanc, rouge. France. Yes. Oh, ballon, petit ballon. La faute. Arrête, arrête. T'étais pas parti là-bas, non? Pas de problème, y'a pas de problème. Tu dois avoir 22 fins pour moi. Je t'ai pas mis pour un retard, c'est tout. Celui qui marque a gagné. Allez. Celui qui marque a gagné. Je dis toujours ça quand j'ai la balle. Oh, mais Mike, la balle. Mike, j'ai la balle. J'ai la balle. Le ballon va vers le pied, c'est toi qui le vois. Ce matin, c'était comme hier un peu. Mais hier après-midi, ça allait encore. Voilà, on a un bon groupe, des bons gars, je connais tout le monde. Donc, au niveau de l'ambiance, sur et en dehors du terrain, ça se passe très bien. Alors, avec Evan, on est deux plus jeunes, mais vu que Evan était déjà l'année dernière, pas moi. Donc, c'est moi qui prend un peu les petites blagues et des choses comme ça. Bah oui, je suis pressé d'en sortir, oui, pour me venger, mais voilà, après, pour l'instant, je prends sur moi et je me concentre sur le terrain, on va dire. L'année prochaine, je serai un peu discret, vu que je serai encore un peu jeune. Je vais pas trop faire le malin, mais dans quelques années, je vais commencer à faire un peu la loi. Je suis en phase d'apprentissage du jeu de haut niveau, on va dire, européen, donc... Voilà, les mecs qui ont de l'expérience, comme Boris, mon coach, Vincent, Rudy, Jackie, Nico, voilà, ils me parlent beaucoup et ça me fait avancer plus vite. J'ai eu des bons moments, comme la Grèce ou le dernier carton contre la Croatie, mais je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup trop d'erreurs et c'est ça que Vincent veut gommer, quoi, pour le haut niveau, parce que les équipes comme l'Espagne, voilà, il faut minimiser les erreurs et c'est ce qui va me faire être sur le terrain, parce que tout le monde sait que je peux aider l'équipe. De par voilà, ce que je peux apporter, mais il ne faut pas que je fasse des erreurs qui peuvent pénaliser l'équipe derrière. Thank you.
match, les gars. Sur tout le match, on ne mérite pas de gagner de toute façon. C'est pas un bon match, on fait trop d'erreurs, comme j'ai dit au milieu, on fait trop d'erreurs de minime, cadet. Il y a des trucs, on n'arrive pas à se faire des passes les uns les autres, c'est pas normal. Mais derrière, Geoffrey, c'est pas possible ça. Une faute technique à ce moment-là, c'est pas possible. Et c'est pas parce que t'es jeune, c'est la même chose. Florent, il fait ça, on l'accepte pas. Mais il va pas faire ça. Parce qu'il est conscient qu'on prend pas de faute technique à ce moment-là du match, pas quand il y a égalité. Il y a faute, il y a pas faute, c'est pas un problème. On l'a dit depuis le début, de toute façon, de la préparation, on gueule pas sur les arbitres, on peut pas prendre de technique à ce moment-là du match. Ok ? Moi, j'ai engueulé Thomas sur le premier temps mort au quatrième quart-temps, parce qu'il jouait trop vite les pick and roll. Derrière ça, on a rectifié le tir. On a été plus patient, il les a joués en deuxième temps de l'attaque, magnifiquement. Et j'avais demandé à ce qu'il les joue, quoi qu'il arrive, dans la fin de possession. Nico, t'as pas à prendre le ballon les trois dernières minutes. Non, si tu dois jouer les pick and roll, c'est dans le deuxième temps. D'abord le meneur de jeu, pour écarter, pour aérer, et pour toi les solutions seront plus faciles. Là, tu t'es mis que dans des situations difficiles. D'habitude, on se pose pas la question de savoir à qui on donne la balle. Hein. On le sait, hein. Tout le monde le sait. Là, il va falloir qu'on soit discipliné. On va dire des choses, il va falloir les faire. Tout simplement. C'est-à-dire, quand on demande au début du quatrième quart-temps de bouger, on bouge. Et si ça marche pas, on passe à autre chose. Mais d'abord, on fait pas autre chose avant même de voir que ça marche pas. Et puis après, quand on rectifie le tir et que ça marche, on continue. C'est la rigueur qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Rien d'autre. On n'est pas assez fort. J'aimerais vous dire le contraire. Mais je peux pas. Je parle à ce niveau-là pour être top 4. Moi, Nico, quand tu vas prendre des rebonds sur la tête de tout le monde, je suis le premier à applaudir. Parce que je sais que ça nous aide à gagner. Mais j'attends pas de toi que tu fasses tout et n'importe quoi. Les tirs, on va te les donner, tu les as. Je te reproche absolument rien sur le fait de les rater. Mais par contre, il faut jouer juste. Et c'est valable pour tout le monde. Si tout le monde a la volonté de jouer juste, d'apporter l'intensité, comme je t'ai demandé, Evan, ton premier passage de deuxième mi-temps, c'est pas assez. Tu rentres là, c'était mort de faim. Tu rentres pas là. Est-ce que je t'ai fait un reproche depuis hier, tu mets pas les paniers? Non. Il faut continuer à les prendre quand t'es ouvert. Toute l'équipe le veut. Mais par contre, tu dois plonger sur les ballons. Tu devrais tout le temps être par terre, toi. C'est pas Flo qui doit être par terre tout le temps. C'est les jeunes. Donc si tout le monde n'a pas cet investissement et cette conviction, mais on va nulle part. On va aller se promener en Espagne. C'est pas ce que vous avez envie. Moi non plus. Mais pour ça, il faut réagir. Faut pas rêver. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Demain, c'est un gros match. L'Australie est une très grosse équipe, plus forte que l'Ukraine. Elle va nous rentrer dedans de la première à la 40e, mais c'est l'occasion pour nous de faire naître cette équipe. Allez, 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 allez. De blanc rouge. Prof. Par contre, c'est dans ces moments-là que tu te dis, putain, ta main gauche, elle te sert. Moi, je savais qu'elle me servait déjà. Mais... Bon, là, ça va. Ouais. Le dernier. Il n'y a pas forcément eu de coup, mais je pense que ma main était mal placée. Et sur un rebond où on s'est un peu battu avec l'autre joueur, ça a dû craquer. J'ai quand même eu le temps de repartir en attaque, prendre un shoot, et c'est seulement sur un temps mort où j'ai senti que j'avais ma main un peu engourdie. Et c'est en la touchant que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui bougeait, donc c'était pas normal. Voilà, fin de la campagne équipe de France pour moi. Maintenant, attendre de voir ce que va dire le spécialiste. À mon avis, il y aura une opération à faire. Et puis voilà, prendre mon mal en patience et espérer que ça se soigne le plus vite possible. Boris va monter en régime, donc on sait que c'est un joueur qui est capable de faire jouer l'équipe entière, donc c'est le deuxième meneur sur le terrain. Et évidemment, après, chaque joueur va devoir prendre un peu plus de responsabilités, mais en restant dans la direction que les coachs veulent. In the World Cup. That's why it's very interesting to share with you some different point of view of rules or what you want. Defense on the post play. Yeah. I know that in NBA you have the rule that you can use this one and this one. Yeah. So here you cannot do it. Always if you put two hands, this is a foul. Okay?
You can use only one. Not this, not this, not only one. No. Do you guys ever try to guard one guy with one arm? This is our rules. Jawai? For Mostraya? Not possible. Okay. I understand. Like this is okay, yeah. But like this, no. Yeah. Because I'm out of cylinder, on my cylinder. And probably yeah. I can also stop a Jawai like this. No, me not, but you please, yes. All the good teams, they defend before the player catch the ball. If you let them catch easy, most often it's too late. So if you don't slow down their moves without the ball, you cannot play good defense. If you deny, for instance, Fernando wants to move, and you slow him down one time, then you let him go, most often you don't go. It's a bumping ego. But if he continues to go and you push, that's why you push, want them to hear. No. Vous avez entendu tout ça? Il faut du contact, mais par contre, à un moment donné, il ne faut pas attraper, il ne faut pas le maintenir, mais par contre, tu peux ralentir. Et pour les grands, par exemple, quand les grands vont à l'écran, ben, tu peux faire un bump une fois, mais après, tu ne peux pas tenir le mec et l'empêcher d'y aller complètement. Thank you again to Eugene Fernando. Les uns avec les autres, c'est construit, maintenant il faut réussir à confirmer ce qui a été fait sur toutes ces dernières années et continuer à aller dans le même sens. After this year's championship, we decided that we would do a trophy tour since we have such an international roster with 9 guys from different countries. So we decided that we'd take it around a little bit and let the guys spend a few days with it. So we started off in Argentina, have been to New Hampshire, Australia, Brazil, and this is our first trip to France. Coming up, we've got a trip to Canada and another to Italy, and then we'll be coming back to France to wrap it up with Tony. The name of the trophy is the Larry O'Brien Trophy. It was named after a former NBA coach. We just kind of adopted the name Larry and it just kind of stuck, and that's what we go by now. He's one of a kind. He's kind of developed into his own sort of personality a little bit. And everywhere we've gone, we've gotten a great reception with it, whether it's family, friends. We've done public appearances. We've taken it to basketball camps. And of course, whenever you bring it out, it gets a lot of attention and puts a smile on a lot of people's faces. And we just want to be able to share that with everyone. The night that we won the championship, we had a big dinner. And basically afterwards, no one can find the trophy. And we didn't know where it was or anything like that. And the last place we saw it was with Tony, and so we're trying to track him down, and we finally get home. He's like, yeah, I just decided to take it home. So it's going to spend the night with me tonight. Tony took it home, took some great pictures with his new baby, with the trophy, and it came back safe and sound. That was the start of it, yep. On est les 12 qui vont partir. Bon, Manando s'est blessé, mais donc c'est le groupe final. Pour l'instant, on joue quand même pas super bien. Voilà, donc c'est un petit peu frustrant par rapport au sérieux qu'on met à l'entraînement, tout ça. Boris et Flo font super bien leur taf, voilà, ils nous parlent beaucoup, sans jamais manquer de respect, c'est toujours super positif, donc ouais, moi je trouve que ça fait bien avancer. Je suis vraiment intéressé par ce que Vincent demande, c'est autre chose que ce que j'ai eu l'habitude de voir, mais c'est très bien. Puis c'est la deuxième année, donc forcément il y a des trucs qui me sont restés l'année dernière. Tu fais quoi, Antoine? J'enlève le nom parce qu'il y a écrit Rubio sur mes chaussures, donc bon. Après, j'ai toujours pas le statut que j'aimerais avoir, mais ça vient pas. Enfin, je suis pas du tout insatisfait avec la manière dont les coachs m'utilisent, juste que je dois encore travailler et progresser. Mais c'est vrai que si tous les ans c'est un cran au-dessus, ça risque d'être bien d'ici peu de temps. Behind the hills. Run, boy, run.
phrase is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Maintenant, il y a juste des détails qu'il va falloir régler. Il y a encore des conneries, il y a des trucs qu'on tente. Comme Vincent a dit, chaque action est super importante. Chaque perte de balle est super importante. Ok, allez, on va aller manger dans du froid. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est une vraie base de travail. Donc je vous félicite par rapport à la réaction, par rapport à ce qu'on avait pu montrer lors des deux premiers matchs. Contrairement au tournoi de Pau, on était descendu au fil des matchs. Là, on est monté. Et ce match-là, aujourd'hui, c'est un point de départ. Mais j'ai quand même vu, en deuxième mi-temps, des efforts. Je tiens à souligner pour Evan, pour Thomas, parce que c'est eux que j'ai le plus fustigé sur ces points-là depuis le début. Aujourd'hui, on a vu des efforts, et ces efforts-là ont permis d'éviter deux, trois paniers. Mais on peut faire encore mieux. Donc, je voudrais qu'on applaudisse tous. Ensemble, Lando, ok, à la fois pour le remercier et puis surtout lui souhaiter un rétablissement le plus prompt possible. Pour votre information, Lando avait fait 111 matchs consécutifs en équipe de France depuis 2008. Ça fait 7 ans qu'il donnait. Blanc-rouge, Le blanc-rouge, Lando.